Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là aujourd'hui pour notre panel sur la participation citoyenne. Comment favoriser la démocratie participative sur un territoire? On va discuter de ça aujourd'hui, puis c'est un sujet qui me passionne énormément, donc je suis super contente de pouvoir l'animer. Mon nom, c'est Alexia Oman. Je suis coordonnatrice du festival le festival où on est aujourd'hui, festival virtuel franco-québécois sur les initiatives à impact. Donc, pourquoi est-ce qu'on va parler de démocratie participative dans le cadre d'un festival sur les innovations sociales? C'est une excellente question, puis on va pouvoir y répondre tout au long de l'heure qui s'en vient avec nos panélistes. Justement, quand on disait dans le premier panel avant-hier que l'innovation sociale, ça se fait à travers des processus collaboratifs, puis que c'est intéressant de se questionner sur tout ça dans le cadre de l'organisation, mais aussi de comment est-ce qu'on structure nos municipalités, puis les répercussions que ça peut avoir sur nos communautés, ça va être des questions qui vont être très intéressantes dont on va parler aujourd'hui. Donc, on va discuter des grandes questions sur la démocratie participative, oui, mais on va creuser un petit peu plus dans chacun des projets des panélistes pour en venir à des exemples concrets de pratiques qui pourraient vous intéresser ou vous interpeller dans le cadre de vos propres projets que vous aimeriez porter ou mettre en place. Donc, je vous invite là, à être attentif et attentive, à poser des questions tout au long de notre événement pour pouvoir bien y répondre puis bien saisir là, toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir porter des projets. Donc, allons-y avec la présentation des panélistes qui sont avec nous aujourd'hui, que je remercie de tout mon cœur pour leur participation. Donc, d'abord, nous avons Mathieu Vallée, qui est consultant au laboratoire d'innovation sociale de la Fondation Nouveau Sentier, qui lui va être accompagné de son collègue qui vient d'entrer en poste, Étienne Volant, qui est agent de mobilisation jeunesse pour le même projet. Il est aussi membre de la communauté Malio-Tanam. Donc, messieurs, je vous laisse vous présenter puis présenter le projet que vous venez, dont vous venez parler avec nous aujourd'hui. Oui, bonjour tout le monde. Merci Alexia. Alors, un peu excité à l'idée d'entamer ce panel avec vous aujourd'hui. Donc, c'est ça, Mathieu Vallée, je suis chargé de projet pour la Fondation Nouveau Sentier. Je pilote un laboratoire d'innovation sociale en autochtonisation. C'est un lab qui a pour mission de trouver des solutions innovantes pour agir sur les enjeux qui concernent la jeunesse des Premières Nations. Pour nos amis français, les Premières Nations, ce sont les peuples qui étaient sur le territoire qu'on appelle Québec ou Canada avant l'arrivée des colons. Notre premier objectif au lab, c'est d'amplifier le rayonnement des voix des jeunes des Premières Nations, environ 10 à 35 ans, amplifier leur voix dans leur milieu et renforcer leur influence dans les décisions qui les concernent. Donc, pour y parvenir, grâce à des jeunes et des partenaires mobilisés, on veut co-créer et expérimenter des solutions innovantes qui vont répondre aux aspirations de la jeunesse et en même temps qui vont aussi cadrer avec les attentes des organisations qui travaillent avec elles. Donc voilà un peu grosso modo notre projet. Et puis je suis accompagné d'Étienne Lacasse Volant. Donc je te laisse poursuivre, Étienne. Moi, dans le fond, je suis agent, je suis le bras droit, on va dire, de Mathieu Vallée. Il faut que je donne tout le support, en tout cas, donner aussi un aspect plus autochtone, comme l'autochtonisation qu'on essaie de rendre ça, parce qu'il faut le préciser, Mathieu Vallée, c'est un Français. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans son accent, mais il est très bien calé dans le sujet. La seule affaire, c'est que j'imagine dans son équipe, il voulait inclure un autochtone, une personne des Premières Nations qui a été moi. Je suis rentré lundi de cette semaine. Puis là, je me fais rentrer dans cette rencontre-là. Puis c'est assez plaisant hein, comme première semaine, finir cette semaine. Merci. Bien, merci d'être là, merci de t'être joint à nous comme un cheveu sur la soupe ou comme plutôt la cerise sur le sundae. Donc, merci d'être avec nous, Mathieu et Étienne. Sinon, on a aussi Maxime Penaud-Jobin, qui est ancien maire de Gatineau, qui est une ville un peu plus à l'ouest
au Québec. J'étais maire de 2013 à 2021. Je lui laisse parler un peu de lui puis du projet là, dont il veut nous parler aujourd'hui. Bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes. Oui, je suis en vacances, moi, depuis 6 mois. J'ai décidé de ne pas me représenter, donc je refais de la vie comme jamais auparavant. J'ai aussi été un citoyen engagé, en fait, toute ma vie dans le mouvement étudiant. Après cette période-là, j'ai été engagé dans ma communauté, ce qui a mené à mon engagement en politique municipale, parce qu'on avait fondé un groupe de réflexion sur la vie municipale, en gros parce que les gens disaient que le maire, mon prédécesseur, manquait de vision, la ville manquait de vision. Puis au lieu d'attaquer, on a dit, ben ça serait quoi la vision qu'on voudrait, nous, comme citoyens, pour Gatineau? Et ce groupe-là de réflexion sur la politique municipale s'est transformé en parti, le premier parti politique de la ville de Gatineau, qui est la 4e ville au Québec, puis qui, en termes d'habitants à 300 000, je pense qu'on serait la 7e en France. C'est quand même une ville relativement d'importance chez nous. Et le projet dont je veux vous parler, je vais essayer de le résumer brièvement, mais il y a beaucoup de leçons qu'on a apprises dans ce projet-là sur ce qui marche en mobilisation citoyenne. C'est un projet de relance. Moi, je suis dans la ville de Gatineau, je suis à l'est de la ville. On est dans une ville qui s'appelait à l'origine Buckingham avant d'être fusionnée avec 4 autres pour créer Gatineau. Et dans cette ville-là, il y avait une laiterie depuis 60 ans, une petite laiterie qui avait une vingtaine d'employés, qui a été rachetée par un grand groupe essentiellement pour être fermée. Le grand groupe disait, on les rachète, on les ferme, on transporte la production dans la région de Montréal. Donc, nous, on perdait une vingtaine d'emplois. On est une région qui produit du lait, ça fait qu'on avait des producteurs de lait qui produisaient chez nous, qui envoyaient le lait, qui auraient envoyé le lait dans la région de Montréal, donc à 200 km de chez nous, pour nous le ramener pour qu'on puisse le consommer. Ça fait que ça n'avait pas de sens du point de vue de l'environnement, ça n'avait pas de sens du point de vue des emplois locaux. Et ça a été une formidable mobilisation régionale. Moi, j'étais le porte-parole du comité, mais on était en fait au début quelques-uns, puis à la fin, presque quelques milliers qui ont participé à la mobilisation. Je vous expliquerai tantôt de quelle façon. Mais pour moi, ce projet-là, en lui-même, contient toute une série de leçons qui sont applicables dans beaucoup, beaucoup de projets de mobilisation citoyenne. J'ai hâte qu'on en apprenne davantage sur ce projet-là, puis de voir justement comment est-ce que ça en est venu à politiser la communauté. Donc, merci Maxime d'être avec nous aujourd'hui. Pour poursuivre, Victorine Kraes, chef de projet de Courtoisie urbaine. Je ne sais pas si j'ai massacré ton nom de famille. Non, c'est parfait, Alexia, merci. Bonjour à tous. Donc oui, moi je suis Victorine Kraes, je travaille chez Courtoisie urbaine. On est une petite structure parisienne d'origine. On est cinq maintenant, donc à travailler sur plein de projets divers et variés. Nous, ce qu'on fait, c'est en fait de ce qu'on appelle de l'immobilier participatif. Donc, c'est-à-dire que, en fait, on va travailler sur des projets de logement, des projets de tiers-lieux, des projets d'activité, enfin plein de projets en fait pour construire la ville, avec comme fil conducteur toujours un peu la même chose, qui est de remettre le citoyen et l'utilisateur final du lieu au cœur du processus de fabrication en fait de la ville, des logements et de ces espaces-là. Donc en fait, on va intervenir vraiment sur des projets assez divers. Par exemple, on va accompagner des projets d'habitat participatif qui se développent de plus en plus en France, donc à Paris, mais aussi dans plein de villes françaises. Et on va accompagner les groupes d'habitants qui veulent en fait se mettre ensemble et monter ensemble leurs projets de futurs habitats et leurs projets de futurs lieux de vie. Donc en fait, nous, vraiment ce pourquoi on travaille et on milite un petit peu, c'est de décloisonner un peu tous les processus de construction de faire la ville et d'inclure les citoyens dans ces processus qui peuvent parfois être un peu opaques et un peu réservés à des professionnels. Donc, c'est vraiment une application un peu concrète de la démocratie participative. Et donc, nous aussi, on va essayer pendant ce temps un peu d'échange
de vous partager un peu les bonnes pratiques qu'on a pu voir, puis aussi peut-être un peu les obstacles et comment les contourner, parce que finalement, on a pas mal de retours d'expérience. Et donc, voilà. Après, à titre personnel, je suis vraiment contente de faire partie de ce panel aussi parce que j'ai fait ma maîtrise en urbanisme à l'Université de Montréal. Donc, je suis contente de pouvoir rééchanger un petit peu entre le Québec, la France, les pratiques un peu différentes. Je pense qu'on a plein de choses à apprendre les uns des autres. Oui, tout à fait. Donc, c'est une belle place pour pouvoir échanger entre nous sur ce qui nous passionne, mais d'échanger avec nos pratiques qui sont différentes, effectivement, au Québec et en France. Je pense que ça va donner de très beaux échanges. Et pour finir, Katharina Deer, qui est fondatrice de Nature and Us. Parle-nous un peu de toi. Alors, bonjour tout le monde. Merci déjà de m'inviter à ce festival. Et j'ai écouté certains des autres rendez-vous et c'était passionnant. Donc, j'ai hâte de voir ce que va donner la session d'aujourd'hui. Du coup, oui, je suis la fondatrice de Nature and Us. Nature and Us, c'est initialement une association. Maintenant, on est en train de passer une entreprise de l'ESS. Et notre mission première, c'est vraiment de mettre plus de nature en ville en général. Et c'est partir du postulat que la nature, être plus en contact avec la nature, ça nous fait tous du bien, mais ça permet aussi, la nature nous rend des services et elle va nous permettre aux villes et à tous les acteurs de répondre aux défis auxquels les villes font face aujourd'hui en termes de changement climatique et de problématiques de biodiversité. Donc, quand j'ai commencé le projet, avant de pouvoir en fait créer mon association, tout est parti d'un projet que j'ai déposé et que j'ai déposé dans le cadre d'un budget participatif. Donc, c'est un dispositif qui permet de faire consulter les citoyens et qu'ils participent et qu'ils votent pour les projets qu'ils soutiennent. Donc, ça, c'est ce dont je vais parler aussi parce que c'est ce qui a permis de démarrer et d'installer les premiers projets au sein de la structure. Et puis aussi vous expliquer un peu plus comment cette participation citoyenne est aussi importante aujourd'hui, parce qu'au-delà de ces votes et cette implication première, on continue à faire impliquer les citoyens aujourd'hui parce qu'on a deux volets. On met en place des projets qui permettent d'avoir plus de nature en ville, on aura des mesures d'impact, mais il y a aussi un deuxième volet qui est d'inclure les citoyens dans la co-construction de ces projets. Et il y a aussi le volet sensibilisation où on va inclure les citoyens pour qu'ils en sachent plus sur l'environnement qui les entoure, qu'ils participent à des ateliers, que ce soit plus d'observation ou de création dans leur ville. Merci, Katharina. Ça m'amène à penser que chacune de vos présentations de votre rapport aujourd'hui va se faire sur différents niveaux concernant la participation citoyenne, que ce soit sur le plan d'une communauté en particulier, des Premières Nations, plus spécifiquement encore de la jeunesse, ou encore sur un territoire, une communauté. Comment est-ce qu'on organise notre ville? Comment est-ce qu'on organise l'habitation? Qu'est-ce qu'on prend en considération de la vie des gens? Si oui, la vie de qui? Donc, la participation citoyenne se comprend sous plusieurs plans. Je pense que c'est ça qui la rend super intéressante. D'ailleurs, j'aimerais savoir pour vous, d'entrée de jeu, quelle est l'importance que vous accordez à la participation citoyenne, soit personnellement ou sur le plan de votre organisation. Je commencerai avec Katharina. Oui, bien sûr. Alors, déjà, je dirais que pour moi, c'est premièrement par conviction personnelle. C'est d'ailleurs ce que j'ai aussi inclus à un niveau professionnel au sein de Nature and Us. C'est l'idée que chacun a un rôle à jouer que ce soit par rapport aux défis. Donc moi, j'œuvre surtout sur les défis liés à l'environnement et à l'écologie. Mais c'est plus large, c'est simplement la participation à la vie et la ville que l'on souhaite construire et qu'il n'y a pas nécessairement seulement une entité qui
qui est maître, qui est souvent la municipalité, la mairie ou la région, mais ce sont aussi les citoyens, c'est aussi les entreprises, les associations, les fondations. Donc en fait, c'est cette pluralité à la fois de regards et d'acteurs qui va faire que ça va être en fait une ville qui va être vraiment riche et intéressante, et surtout qui va refléter au mieux tous les besoins de toutes les parties prenantes. Parce que, et c'est normal en fait, c'est comme pour toute chose, on estime qu'on va bien faire, qu'on prend des décisions, mais au final on ne peut pas savoir ou connaître l'envie ou les nécessités ou les besoins ou le background culturel ou tous les aspects qui vont faire les particularités des différentes communautés ou des différents citoyens ou des différents acteurs si on va au-delà de simplement les citoyens. Donc c'est premièrement par conviction que je l'inclus, que en fait je l'ai inclus dans Nature and Us. Et je crois que la deuxième question que tu disais, c'était comment est-ce que je l'intègre au niveau professionnel. Oui, mais tu as répondu en disant que c'était aussi dans tes convictions, donc super intéressant. Merci Katharina. Peut-être Maxime, c'est déjà une définition assez complète, là, mais qu'est-ce que tu aurais à ajouter? Ben, en fait, je veux dire la même chose, mais avec d'autres mots. C'est un grand talent de politicien, ça. C'est que, je vais donner un exemple autochtone, en fait. À Gatineau, on a découvert des artefacts autochtones en creusant une rue. Et c'était à côté d'un parc. Fait que je vous passe les détails, mais ça a été un peu une crise parce que, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête les travaux? À qui appartiennent les artefacts? Vous comprenez la complexité de l'affaire. Je vais aller à la conclusion. La conclusion, là, c'est qu'on aurait pu, comme ville, faire un beau parc. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé à Kitigandibi, qui est la communauté autochtone. On a rencontré le leadership et on a pris 2 ans de plus que ce que ça nous aurait pris normalement. Et on a conçu le parc ensemble, avec le cercle des aînés de Kitigandibi, de la Nation algonquine. Donc, le choix du nom, c'était eux et nous. Quand je dis eux et nous, là, c'était vraiment le consensus. Puis je dirais que 80 % du temps, c'était leur proposition. Nous autres, on disait que c'était une bonne idée. Mais quand je dis eux et nous, c'était les fonctionnaires municipaux, les politiciens et le cercle des aînés. Le choix du nom, le choix de l'aménagement, le type de les éléments de la nature qu'on mettait là-dedans, le type de plantes, les textes en français, en anglais, en algonquin qui expliquent le parc, qui expliquent ce qu'on avait là. Puis les artefacts, c'était extraordinaire. Là. C'est un site vieux de 6000 ans. Là. Et on a trouvé 2 anciens feux et le groupe a décidé de faire des feux artificiels par-dessus, là, des feux symboliques comme ça. On pouvait se tenir debout à l'endroit où il y a 6000 ans, il y avait des gens qui se tenaient debout. Ça donnait un sens profond à ce parc-là. Puis pour moi, ce que c'est la participation citoyenne, fondamentalement, c'est ça. C'est que tu peux faire un beau parc, puis tu as un beau parc à la fin. Mais si tu fais un parc en associant tout le monde, toutes les personnes concernées, à la fin, tu n'as pas juste fait un parc, tu as construit une communauté. Puis c'est ça qui est extraordinaire, parce que c'est un lieu de fierté, c'est un lieu de... Juste la cérémonie où on a inauguré le parc, c'est extraordinaire. Tu as des jeunes qui sont descendus de Kitigandibi, notamment pour faire de la musique, faire de la danse. Puis le chef de l'époque, je termine là-dessus, m'a dit, chaque fois que vous faites quelque chose comme ça en lien avec les Premières Nations, il dit, pour moi, là, ce qui est pratiquement plus important que tout le travail qu'on a fait, c'est la fierté, notamment de ces jeunes-là qui sont là, qui célèbrent leur propre importance dans un territoire qu'on partage maintenant à tout le monde. Parce qu'il dit que c'est ça qui construit la communauté, c'est ça qui fait baisser le taux de suicide, c'est ça qui fait baisser le taux de toxicomanie. C'est toute cette fierté-là, sentir qu'on existe, qu'on est valorisé par, dans ce cas-là, une ville comme la ville de Gatineau. Fait que c'était puissant comme expérience. Fait que c'est vraiment construire une communauté plus que construire des infrastructures. Mm-hmm. Puis de cette manière-là, on crée du lien puis on crée communauté ensemble. Je vais rebondir dans le même sens sur Mathieu, qui aurait peut-être quelque chose à ajouter sur son expérience. Que je ne vois plus. Ah, oui. Bien, je passerai. Oui, parfait. Donc, je vais passer la parole à Victorine. On reviendra à Mathieu quand il va se reconnecter.
Ça marche, merci Alexia. Bah, super intéressant, hein, Katharina et Maxime, ce que vous dites. Nous, enfin, moi, je me reconnais vraiment, vraiment dans ce que vous expliquez. Nous, dans le jargon, ce que vous dites, on a un terme qui est l'expertise utilisateur et l'expertise habitante. C'est-à-dire que, en fait, on va considérer que la parole habitante, elle a autant de valeur et elle est complémentaire avec la valeur des experts, par exemple la valeur des la parole des architectes, la parole des bureaux d'études techniques, etc. Qu'en fait, les futurs utilisateurs, ils vont vraiment apporter des choses intéressantes au projet et le bonifier. Et nous, on le voit dans vraiment tous nos projets. Donc ça, c'est d'une part à quoi ça sert un peu la participation habitante. Et puis après, ce que vous disiez, Maxime, c'est super intéressant, c'est construire une communauté via presque un prétexte d'infrastructure. Bah, en fait, nous, pour le logement, c'est pareil. On voit que finalement, de réunir des personnes qui vont habiter ensemble, peut-être dans 3-4 ans, parce qu'un projet immobilier, c'est long, mais de les réunir ensemble pour travailler autour de ce projet, pour réfléchir à des choses parfois super techniques, de bouger une cloison, de travailler sur plan, etc. Bah, en fait, ça crée des liens et ça crée un voisinage et une communauté qui est déjà en place à la livraison et dès l'emménagement. Donc, en fait, ça fait des villes qui sont plus accueillantes, des voisins qui se connaissent entre eux, qui s'entraident, des initiatives après qui sont valorisées et puis qui se mettent en place vraiment très vite par rapport à des projets un peu classiques de promoteurs immobiliers, par exemple, qui vont livrer un logement tout fait à des gens qui ne se connaissent pas. Donc, y a vraiment ces deux aspects, je trouve, dont vous parlez, Katharina et Maxime, qui sont hyper intéressants, de la valeur, quoi, de la valeur et de ce que peut apporter la mobilisation citoyenne à des projets concrets. Et si je peux rebondir sur ce que vous disiez en plus, c'était, moi, à travers l'expérience du budget participatif, ce dont je me suis rendu compte, même à un titre personnel, c'est que, en tout cas, je trouve que c'est d'autant plus vrai dans les grandes villes où on a une tendance à penser que tout est un peu acquis, que ce soit le lampadaire, l'éclairage, tous les éléments de la ville. Mais en fait, tout ça, ça a été pensé par des personnes. Et quand on passe par des participations citoyennes et qu'on s'implique, en fait, ça donne vraiment un sentiment fort d'appartenance à la ville et à l'espace dans lequel on est. Et ça donne à la fois une envie de s'impliquer encore plus, de pouvoir en prendre soin. Et voilà, ça, c'est, je pense, quelque chose qui est important. C'est au-delà de la partie, les compétences, il y a aussi la dimension communauté, mais à titre même personnel, avoir ce sentiment d'appartenance et de vouloir en prendre soin à travers le temps et pas que ce soit simplement un espace ou une ville qui soit impersonnelle. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est très important aussi. Moi, j'ajouterais, Victorine, nous, on parle d'expertise d'usage. Ouais. Moi, j'ai toujours utilisé... C'est la personne qui habite la rue connaît la rue comme personne d'autre. À un moment donné, quand on arrive, il connaît le col bleu, il sait qui déneige le mieux, il sait s'ils sont en retard cette année pour nettoyer, etc. Je voulais ajouter, suite à ce que Katharina disait, nous, ce qui était absolument extraordinaire, puis j'espère qu'un jour des historiens locaux vont en parler, c'est quand on a relancé la laiterie, on a rassemblé une famille de gens qui avaient certaines valeurs. Et ça a duré il y a 2 ans, le projet, là, ça a été long. Là. Donc, on a créé des liens, on a appris à se connaître. Il y a des gens qui n'étaient absolument pas dans le même camp au niveau national ou fédéral, dans les équipes politiques. Mais c'est les mêmes personnes qui ont décidé de dire, écoutez, ça va mal avec le Gatineau, on peut-tu se mettre à réfléchir à qu'est-ce qu'on devrait faire pour que ça aille mieux? Ça fait exactement l'effet dont Katharina parlait, là, ça crée un paquet de liens. Et en fait, à l'origine d'un parti politique, Action Gatineau, il y a la laiterie. C'est quand même assez loin un de l'autre en pratique. Mais ça a créé vraiment une famille politique. Ça fait que la participation citoyenne, c'est tellement plus, comme une des deux disait, là, c'est un prétexte. C'est-à-dire que les projets sont des prétextes. Ce que ça fait, en fait, c'est que ça construit quelque chose d'extraordinaire. Nous, on s'est retrouvés à 2000 membres, des choses qu'on n'a jamais vues, en tout cas dans notre coin. Là, on avait plus de membres, juste nous, que tous les partis des autres niveaux réunis.
Mais ça venait de ce mouvement-là, authentique, enraciné, près des gens. Donc, la participation citoyenne, pour moi, c'est vraiment ça. C'est la construction d'une communauté par la communauté. Ben oui, puis je pense que là, on a un retour là, de Mathieu qui pourra nous répondre aussi à la question après une petite panne de courant. Mais ça se règle vite, des pannes de courant dans ton coin. Oui, désolé, ça a duré quelques secondes, mais le temps que l'ordinateur redémarre, que Zoom se mette à jour, etc. Bon, alors, est-ce que on revient, je peux revenir sur la question précédente au niveau de l'importance de la participation? On est encore dessus. OK, OK. Imagine-toi donc. On faisait durer le plaisir pour toi. Bon, désolé. Mais je m'inscris évidemment dans la poursuite de ce qui a été nommé dans les interventions précédentes. Peut-être que je peux préciser de notre côté. Bon, comme je l'ai dit, on s'intéresse spécifiquement aux réalités des jeunes des Premières Nations, donc 35 ans et moins. Mais peut-être nommer une chose que la notion de citoyenneté ne signifie pas grand-chose dans le contexte Premières Nations. La notion de gouvernance, par contre, elle est beaucoup plus tangible pour les Premières Nations. Donc, c'est un peu dans cette perspective-là qu'on travaille, en fait, dans une perspective d'inclusion dans la gouvernance, dans les systèmes de gouvernance. Pour nous, on distingue un peu trois façons de faire de l'inclusion dans les systèmes de gouvernance ou de faire de la participation citoyenne. On distingue d'abord la consultation citoyenne, où là, on permet aux jeunes d'exprimer leurs avis sur des projets. Donc, c'est un peu la base de la participation citoyenne, selon nous. Après ça, on identifie la représentation citoyenne. Là, on considère les jeunes vraiment comme des parties prenantes d'un processus de prise de décision. Donc, leurs recommandations, à ce moment-là, sont formellement prises en compte dans la décision. Puis, la dernière étape, un peu l'aboutissement de tout ça, c'est que ça entraîne de l'implication citoyenne, donc qui amène les jeunes à contribuer activement à la mise en œuvre des décisions auxquelles ils et elles ont pu contribuer. Voilà un peu le cadre théorique dans lequel nous, on s'inscrit, une espèce de gradation. Puis on ne dit pas que la consultation citoyenne, c'est mauvais, mais ça peut être très bien fait. Donc, on rêve un peu plus grand. Mm-hmm. Donc, la participation citoyenne, ce n'est pas juste la consultation. Si on a envie que les gens se sentent vraiment engagés et qu'ils développent ce pouvoir d'action-là, bien, il faut avoir des processus, des manières de pouvoir le faire, et ce, que ce soit dans notre milieu de vie imminent, pour l'habitation, les rues, les espaces, mais aussi au niveau de la communauté. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais j'aimerais vous entendre maintenant sur les obstacles de cette participation-là. Nous, on est là aujourd'hui à se dire qu'on trouve ça tellement intéressant et super important pour les individus, mais aussi pour les communautés. Mais c'est pas tout le monde qui décide de s'engager. C'est quoi les obstacles à cette participation-là? Puis éventuellement, comment est-ce qu'on peut y pallier? Commençons par quels sont les obstacles. Qui voudrait débuter pour répondre à cette question-là? Peut-être Victorine? Moi, je vois plusieurs obstacles et peut-être que je peux dire deux mots après des solutions directement pour rester un peu optimiste et pas. D'abord, je pense qu'il y a dans la notion de participation citoyenne, quand on parle de ça, il y a pas mal de gens qui vont dire de toute façon, ça va servir à rien. C'est-à-dire que vous allez me prendre du temps, vous allez me mobiliser sur des sujets, mais en fait, en réalité, ça ne sera pas inclus dans les projets finaux. Donc, je pense qu'un des enjeux vraiment de la participation, c'est de montrer vraiment l'application concrète de la mobilisation. Et ça passe aussi par laisser de l'espace dans les projets urbains, parce que c'est ce que je connais, mais j'imagine que ça s'applique à tout, laisser de l'espace pour qu'il y ait un champ d'action, en fait, vraiment des citoyens dans ces projets-là. Si on arrive avec, on a fait un tramway qui va de ici à là, maintenant vous allez pouvoir décider la couleur, si c'est jaune ou orange. Bon, la participation a quand même assez peu d'intérêt sur le fond de ce que va être la ville. Par contre, si on implique dès le début
les citoyens en disant, bah voilà, on a un problème de mobilité, ce quartier-là est vraiment très mal desservi en ville, comment est-ce qu'on peut faire, de quoi vous auriez besoin, par où il faudrait passer, à quels horaires, quel type de tramway pour permettre de s'adapter aux personnes à mobilité réduite, aux enfants, aux familles, etc. Bah, là, c'est de la vraie participation. Et donc, ça passe aussi par montrer petit à petit, au fur et à mesure du projet, expliquer comment en fait les apports des personnes qu'on a mobilisées vont vraiment être inclus dans les projets. Et après, j'imagine que, enfin, un deuxième frein, moi, que je vois, c'est il y a pas mal de monde qui se sentent pas forcément légitimes pour donner leur avis, qui vont dire, bah, en fait, voilà, moi, c'est un sujet que je ne maîtrise pas. Alors, certes, je suis habitant ou habitante de cette ville, mais pourquoi est-ce que je donnerais mon avis? Donc là, les solutions qu'on entrevoit un peu, ce serait ben, en fait former et expliquer ce sur quoi on va parler, donner les outils en fait aux personnes pour s'exprimer sur un sujet. Donc en termes par exemple de logement ou de ville, c'est-à-dire qu'on va donner des moyens de contribuer au projet, par exemple en initiant à la lecture de plans. Si au bout de bah, voilà, 15 minutes d'explication de lecture de plan, après la personne peut vraiment interagir avec l'architecte et les concepteurs, bah, là, il y aura vraiment une légitimisation de la prise de parole et de la prise en compte en fait, de ce qui va être dit. Donc, je pense qu'il y a, enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Et puis finalement, je pense qu'un dernier levier que je vois, c'est le temps. Enfin, en fait, on a quand même tous, enfin, nous, c'est notre travail, mais tout le monde a voilà, un travail, peut-être une famille, enfin, des choses importantes à faire dans la vie. Comment est-ce qu'on case à l'intérieur de tout ça de s'impliquer pour penser le réaménagement de son quartier, par exemple? C'est compliqué. Et donc là, bah, j'imagine qu'il y a plein de solutions qui existent, mais je dirais que, en fait, rendre les moments d'implication des moments conviviaux et des moments où on a envie d'aller parce qu'on va connaître son, bah, voilà, son ses voisins, c'est en fait des personnes de sa communauté auxquelles on se rattache et donc ça nous fait plaisir de les voir, bah, ça permet aussi de mobiliser autour de temps qui sont agréables et qui ne sont pas voilà, juste des choses qu'on subit et en plus dans notre rythme de vie. Voilà, c'est des petites pistes, mais j'imagine que plein d'autres choses à dire. C'est vraiment des bons points. Puis c'est drôle que tu donnes l'exemple du tramway parce qu'à Québec, on est justement dans une question de consultation. Puis qui décide sur quel petit bout de rue? C'est super intéressant comme débat. Mathieu, est-ce que tu aimerais rebondir sur cette question? Oui, bien évidemment, bien en accord avec ce qu'a exprimé Victorine. Peut-être que je peux rajouter de notre côté effectivement le sentiment de compétence et de connaissance. Chez les jeunes, pour oser s'exprimer puis agir, ça me paraît être un premier défi. Puis après, ben, du côté de l'offre de participation citoyenne, on se questionne aussi sur est-ce qu'elles sont suffisantes, c'est-à-dire ces opportunités-là pour s'exprimer, est-ce qu'elles sont connues et visibles, est-ce qu'elles sont cohérentes et complémentaires aussi avec d'autres initiatives, et surtout, est-ce qu'elles sont culturellement adaptées puis sécurisantes, hein, surtout si on parle du milieu urbain. Donc, on a l'impression qu'il y a plusieurs obstacles sur ce plan qu'on s'apprête à travailler. On a déjà entamé un travail là-dessus avec le laboratoire. Super intéressant. Maxime, tu as quelque chose à ajouter sur ça? Oui, je vais prendre l'angle d'un citoyen frustré. C'est que c'est un peu dans le même esprit de ce que Victorine disait. Il faut que ça soit utile. T'sais, par exemple, des budgets participatifs, c'est intéressant parce que tu y vas et il y a de l'argent. Donc, tu te mobilises puis tu te dis il y a une possibilité que ça te donne quelque chose. Il y a des outils dans le monde municipal qu'on a au Québec qui s'appellent, par exemple, des référendums. Quand un promoteur veut changer de zonage, on peut forcer la tenue d'un référendum. Donc, le citoyen a un vrai pouvoir. Puis ça fait qu'il se mobilise parce qu'il dit je m'en vais pas juste jaser, là, je m'en vais poser un geste qui va peut-être avoir un impact précis. J'ajouterais qu'une des façons de stimuler, de répondre à cet obstacle-là, qui est pour moi l'obstacle principal, si les gens disent que ça ne donnera rien, c'est le retour après, par exemple, des consultations. C'est de dire, OK, on vous a consulté, vous nous avez dit ça, là, il y a un rapport de consultation, c'est super intéressant, mais dans un an, là, voici le rapport qu'on a déposé, ce que vous nous aviez dit. Voici les gestes qui ont été faits ou qui vont être faits ou l'argent qui a été débloqué. Et là, les gens sont, euh,
sont motivés. Nous, moi, la plus belle consultation publique à laquelle j'ai assisté dans ma vie, là, c'était une consultation pour un plan directeur vélo. C'est des cyclistes qui sont venus. On a géolocalisé chacun de leurs commentaires sur une carte. Ça fait qu'ils voyaient leurs commentaires. Et quand on a publié le plan directeur, on a dit, voici les commentaires auxquels on répond positivement sur 4 ans. Donc, dans 4 ans, on va avoir fait tout ça. Donc, ceux auxquels on ne répond pas positivement, mais voici pourquoi. Notamment parce que la personne, je ne sais pas, était la seule à demander ça. Il n'y avait pas d'autres. Puis on avait des priorités qui rejoignaient plus de gens. Ça fait que les gens se sentent respectés, écoutés concrètement. Donc, le retour aussi suite à des exercices citoyens est extrêmement important. Super. Katharina, voudrais-tu compléter sur ça? Puis ça me donne trop envie. Pourquoi est-ce que tout le monde ne met pas en place des projets comme ça ou des façons de consulter comme ça? Moi, je participerais tout le temps là, pour savoir où est-ce qu'on met la bonne fontaine. Katharina. Alors moi, c'était pour compléter un peu ce qui a été dit avec mon expérience avec le budget participatif. Il y avait deux typologies pour essayer de... parce qu'il y a énormément, en fait, à travers les années, il y a eu de plus en plus de participation et de dépôts de projets et d'idées. Et différentes solutions qui ont mis en place, pour le coup, la ville pour pouvoir, en fait, aussi s'y retrouver et faire le tri, c'est que déjà, des projets qui étaient similaires, avec des thématiques similaires, ils ont réuni les projets pour que ça fasse des projets plus conséquents, ce qui fait que ça permet aussi aux porteurs de projets de se rencontrer, de se réunir et ensuite que les votes aussi soient, il y ait une visibilité sur ces projets-là qui soit plus grande plutôt qu'il y ait une liste infinie de projets, parce que quand on nous invite à voter pour les projets, quand il y a des pages et des pages et des pages, en fait finalement c'est aussi l'occasion, ça peut aussi amener à ce qu'on rate la visibilité de certains projets qui auraient pu être plus impertinents. Donc ça, c'est un premier élément. Et un deuxième élément, c'est la ville de Paris aussi, après le dépôt, elle fait aussi une phase de validation, on va dire, des projets qui sont éligibles à être mis au vote. Donc, je pense qu'ils sont écartés probablement des idées qui sont peut-être complètement, vraiment complètement farfelues et qui ont pas peut-être de légitimité. Mais il y a aussi des idées qui sont peut-être géniales, mais qui simplement ne sont pas réalisables techniquement, ou en tout cas à date, il n'y a pas assez d'informations et que les équipes techniques n'ont pas pu évaluer que ce soit faisable ou pas faisable. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'ils sont écartés. Ce qui fait que pour l'étape d'après, qui est le vote des citoyens, on arrive au moins à une liste qui est un peu plus restreinte, un peu plus cohérente et qui sera au moins potentiellement réalisable, ce qui amène à réduire aussi les frustrations des citoyens sur peut-être des idées auxquelles ils auraient voté et qui finalement en fait ne voient pas le jour. Et bien au moins ce qu'elle a est écarté. Super intéressant. Ça me donne envie, creusons un petit peu sur vos projets respectifs. Maintenant qu'on a bien mis la table sur la participation citoyenne, puis ses défis, puis quelques leviers, Mathieu, le projet du Lab est particulièrement intéressant parce qu'il permet de mettre en lumière les points de vue des jeunes des Premières Nations au sujet des enjeux qui les concernent. Qu'est-ce qui vous a amené à développer ce projet-là, puis à partir de quel constat s'est construit ce Lab-là? Oui, au départ, il y a le leadership d'une fondation qui est directement issue des Premières Nations. Là, c'est la première à voir le jour il y a un peu plus de 10 ans dans ce territoire qu'on appelle le Québec. La fondation, fondamentalement, elle a pour mission de réduire les écarts de développement parfois criants entre les jeunes des Premières Nations et les jeunes non autochtones. Donc, c'est la directrice générale qui est assez visionnaire. Qu'a lancé l'idée auprès de son CA de constituer un laboratoire d'innovation sociale par et pour les jeunes des Premières Nations. Et puis, en fait, ça en fait un des tout premiers laboratoires à l'échelle de ce territoire qu'on appelle le Canada. L'inclusion des jeunes dans les gouvernances, c'est le premier enjeu qu'on a décidé de traiter en collaboration avec un organisme jeunesse qui s'appelle le Réseau Jeunesse Premières Nations Québec-Labrador. La décision a été prise à partir du constat
que la jeunesse des Premières Nations représente une part grandissante dans la population, que ce soit dans la population Premières Nations ou la population générale, mais elle est vraiment sous-représentée dans les instances décisionnelles. Puis il y a une enquête du réseau Jeunesse Premières Nations Québec-Labrador qui est venue confirmer un peu cette réalité-là dans les propos des jeunes où ils disent qu'un jeune sur quatre ou une jeune sur quatre estime avoir la possibilité de s'exprimer dans les lieux de pouvoir. Donc, on est encore très loin du compte. Donc, c'est ce qui nous motive à travailler dans cette perspective d'inclusion-là. Et puis, dès le départ du processus, les jeunes des Premières Nations ont été impliqués pour poser les bases, notamment à travers une vision ou une proposition de définition de l'innovation sociale en autochtonisation. Donc, j'espère qu'Étienne pourra en glisser quelques mots tout à l'heure, là, si on a le temps, sur ce concept d'autochtonisation. Ben oui, tout à fait. Je pense qu'on va avoir le temps, on va en faire pour aborder cette question-là. D'ailleurs, comment est-ce que ce processus-là a été reçu pour le reste de la communauté? Comment est-ce que ça s'est passé? Quels acteurs ont embarqué? Je veux pas être trop prétentieux, donc je dirais que pour l'instant, c'est difficile, c'est un peu trop tôt pour nous d'évaluer les retombées. On a juste deux expérimentations qui ont démarré, puis on souhaite en avoir d'autres pour vraiment évaluer l'impact, puis la réception. Mais les premières observations qu'on fait nous permettent de faire quelques hypothèses. On observe quand même un large consensus là, parmi les parties prenantes qu'on a sollicitées pour prendre part au lab, surtout des organisations régionales, là, qu'on dit ici, par rapport au territoire du Québec. Donc, ces partenaires-là nous disent que ça vaut la peine de faire plus de place aux jeunes et de s'assurer que leur voix puisse être entendue. Donc, ça nous paraît quand même déjà être un indice d'une bonne réception. En plus de ça, on identifie déjà certaines organisations, certains milieux qui ont une prédisposition pour faciliter la participation citoyenne. Donc, nous, ça nous place dans de bonnes conditions pour mettre en place certaines expérimentations. Puis, il y a quand même une chose aussi qu'il faut reconnaître, je pense, c'est que la participation citoyenne, ça représente pas un enjeu prioritaire pour l'ensemble de la jeunesse des Premières Nations. Il y a encore plusieurs jeunes qui doivent faire face à des défis plus concrets dans le quotidien, comme la surpopulation dans les logements, ça reste extrêmement préoccupant. L'insécurité alimentaire aussi, qui touche beaucoup de familles. Puis il y a des phénomènes de dépendance et de violence qui affectent également la vie des jeunes dans plusieurs milieux. Donc, on pense néanmoins que ces enjeux-là, plus sociaux, plus du quotidien, pourraient être davantage considérés lorsque plus de jeunes parviendront à se faire entendre dans leur milieu. Mm-hmm. Puis, j'ai pas envie d'attendre, en fait. Là, j'aimerais ça qu'Étienne, tu nous expliques tout de suite qu'est-ce que ça signifie pour toi, pour vous, l'innovation en autochtonisation. Puis, comment est-ce que vous en êtes venu à cette définition-là? L'innovation en autochtonisation, c'est un peu comme la découverte de Maxime, Monsieur Petenot-Jobin. C'est toutes les nouvelles initiatives qui sont faites en incluant les Autochtones dans le processus citoyen là, que vous parlez. Justement, c'est en nous incluant, en créant un espace propice pour qu'on puisse se faire reconnaître dans nos connaissances, nous, les Autochtones, dans la société. Parce qu'il faut le préciser un peu, le fait d'être autochtone, on a un statut de citoyen différent qu'un citoyen canadien. Donc, c'est un peu difficile de devoir jongler entre la réalité que les citoyens canadiens possèdent puis nous, les Autochtones, avec notre statut différent à cause de la loi sur les Indiens qui crée certaines restrictions sur plusieurs aspects de nos vies là, pour pouvoir s'exprimer autant politiquement avant, dans les années 75, avant qu'il y ait eu des réformes. Mais en tout cas, c'est de quoi d'assez complexe, puis c'est un sujet assez vaste puis juridique là, à comprendre. C'est pas seulement de l'implication. Mm-hmm. Puis quand j'essaie de comprendre un peu le concept, c'est dans une perspective aussi décoloniale, mais pas que, c'est de dire, c'est pas que de décoloniser, c'est de donner plus de pouvoir d'action, puis de faire
avec et par aussi là, par les Premières Nations? L'affaire, c'est que le but ultime, c'est la réconciliation. Tout le monde en parle, on en entend parler partout dans tous les médias, on lance ce mot-là à toutes les sauces, mais l'affaire, c'est que la décolonisation, ça serait le premier step avant la réconciliation. C'est séparer le paternalisme du gouvernement, des lois qui sont instaurées envers les Autochtones. Puis ensuite, il y aurait l'autochtonisation, ça serait d'inclure. C'est juste comme une étape dans le processus de réconciliation, l'autochtonisation. Ça serait comme, on pourrait dire, la deuxième. Puis la première, ça serait décolonisation. Ensuite, réconciliation. Ça serait comme trois grandes étapes. Super intéressant. Maxime, tu voulais ajouter quelque chose à ça? Une question, commentaire. Tiens, moi, ce qu'on a vécu, nous, c'était bien compliqué. Parce que quand moi j'entends autochtonisation, là, c'est comme une gouvernance profondément différente. T'sais, moi, j'arrive avec deux, trois fonctionnaires, puis on dit, OK, on prend une décision, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Là, eux autres, ils disent, non, une minute, là. On va s'asseoir en rond, on va consulter les aînés, on va voir c'est quoi ce parc-là, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi notre personne. Fait que c'était des façons de faire, des délais, tu sais, un niveau de réflexion qui n'était pas le même. Nous autres, là, c'était genre problème-solution, puis il faut qu'on se dépêche parce que le contrat, il faut qu'on le donne. Puis ça a été un apprentissage assez extraordinaire parce que on s'est dit, OK, bien là, à partir du moment où on fait affaire avec la communauté, bien, il faut respecter ça, même si moi, j'étais un peu, bien, au début, j'étais préoccupé parce que retarder d'un an, là, c'est, je pense que c'était 100 000 piastres de plus. En tout cas, c'était cher, tu sais. Puis le promoteur a été accommodant, mais on aurait pu s'en aller en cours. Tu sais, le cadre légal n'est pas fait pour qu'on travaille ensemble, en fait, je vais le dire dans ces mots-là. Là, tu sais, le cadre légal, même nous autres, on voulait que ça soit la communauté qui fasse l'aménagement paysager. Bien, on ne pouvait pas parce qu'il fallait faire un appel d'offres ouvert. Tu sais, puis, bien, ouvert, il n'y a pas d'entreprise qui fait ça à Kitigansbi. En tout cas, c'était compliqué. Fait, en tout cas, moi, ce que je comprends dans ce que tu dis, puis ce que nous, on a vécu, c'est aussi apprendre deux espèces de modes de fonctionnement. Autochtoniser, c'est que nous autres, on reconnaisse qu'il y a comme une autre façon d'appréhender la réalité qu'on ne connaît pas, puis qu'on est mieux d'apprendre parce que sinon, on ne travaillera jamais ensemble. C'est comme la première étape. C'est un peu comme une barrière, là, les deux modes de gouvernance qu'il y a à l'autochtone. Nous, on a comme une façon plus de consensus. On a besoin d'un consensus général pour pouvoir passer à l'action. Puis c'est un des mots que je me suis fait taper sur la tête toute mon enfance, c'est pédagogue. En Innu, ça veut dire tu y vas tranquillement, un pas à la fois. Puis c'est un pas à la fois que tu construis l'avenir, tout ensemble, parce que nous, en tout cas, nous, les Innu, on était des nomades, puis on se suivait toute notre tribu ensemble jusqu'à chacun aller dans chacun de nos territoires, mais on laissait jamais tomber personne en arrière. Donc, quand on prend les décisions, ce n'est pas seulement les dirigeants. Les dirigeants, c'est des porte-parole. Puis nous, la décision se fait collectivement. Donc, quand il est question de territoire ou de revendication, peu importe, bien, ça tombe sous les mains de toute la population et non juste du porte-parole. Le porte-parole, il n'y a pas aucun pouvoir décisionnel. Il y a seulement un message à transporter. Là. C'est intéressant parce que moi, je me suis fait dire le contraire de toi. Nous autres, on se faisait dire « grouille-toi ». Tu sais, c'est quand tu dis « prends ton temps ». Les Algonquins, ils disaient ça? Non. Moi, quand tu dis que quand toi, tu étais jeune, tu te faisais dire « prends ton temps ». Moi, je me faisais dire « grouille-toi ». Il y a un apprentissage, là. Ben oui, puis ça m'amène à dire que justement, dans le but d'inclure le plus de personnes possible avec leurs différentes réalités, bien, parfois, il faut revoir nos processus. Puis je pense que c'est ça qui est super intéressant. Puis ça m'amène à la question, tu sais, comment inclure les gens? Tu sais, on parle de participation citoyenne, mais
comme Mathieu disait, le concept de citoyenneté, ça n'existe pas nécessairement dans les communautés des Premières Nations. Fait que ce soit pour les différentes communautés, que ce soit pour différents âges aussi, là, on parle de jeunesse dans le cadre de votre projet, mais sinon d'inclure les personnes âgées qui peuvent moins, par exemple, se déplacer dans certaines situations. Est-ce que Victorine, tu aurais envie d'ajouter sur cet aspect-là? Oui, bien sûr. Bah, déjà, c'est vraiment super intéressant. Nous, c'est des sujets qu'on ne connaît pas, en tout cas en ces termes, en France. Donc, super intéressant d'écouter ça. Par contre, effectivement, le côté les réglementations qu'il faut contourner, ça, on les connaît bien. Et je pense que c'est vraiment la même problématique pour nous. Je pense que... Nous, pour donner un exemple, on a un projet à Paris, dans le 14e arrondissement, sur la ZAC Saint-Vincent-de-Paul. Donc, pour ceux qui connaissent un peu Paris, c'est là où il y avait les anciens grands voisins à l'époque. Donc, cette occupation transitoire d'une friche en attendant qu'elle soit réutilisée pour un projet. Et donc, nous, on arrive après eux pour justement mettre en place un projet, un des projets de logements sociaux sur ce territoire-là. Et en fait, les bailleurs sociaux qui sont Paris Habitat et la RIVP, ont décidé de faire autrement. Ont décidé de dire, en fait, on va pas faire comme d'habitude et, faire nos logements et puis les livrer, mais on va inclure les futurs locataires dans le processus de faire ces immeubles-là. Et alors, je ne vous raconte pas, parce que les bailleurs sociaux, en tout cas en France, à Paris, c'est des grosses machines avec beaucoup de réglementations, des règlements intérieurs, de gestion, de choses comme ça qui sont énormes. Donc là, nous, on arrive en disant « Ah oui, il faudrait une chambre partagée, une chambre d'amis partagée à l'échelle de l'immeuble. Il faudrait pouvoir mettre des potagers en hauteur. Il faudrait pouvoir partager un local de bricolage. Il faudrait que les logements ils puissent être conçus différemment. » Donc, il y a tout à revoir et ça prend du temps, en fait. Effectivement, ça prend du temps. Ça prend plus de temps que peut-être un projet classique. Par contre, les bénéfices, après, sont immédiats parce qu'il n'y a pas à ajuster des choses qu'on doit ajuster d'habitude dans des projets de logements sociaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas à faire un peu de médiation avec les nouveaux habitants qui vont, par exemple, modifier leurs appartements parce que ça ne leur correspond pas. On ne va pas avoir des déménagements d'éléments de cuisine parce qu'ils ne conviennent pas. On ne va pas avoir une mauvaise utilisation ou du squat dans les espaces communs, par exemple. Donc, en fait, finalement, c'est peut-être faire comprendre un petit peu aux décideurs et à ceux qui peuvent mettre en œuvre ces processus de participation. Ce n'est pas du temps perdu, c'est juste une autre façon de faire et qui, à la fin, est bénéfique, en fait, au long terme et qui presque fait gagner du temps, finalement. Mm-hmm. Super intéressant. Puis, tant qu'à avoir la parole, Victorine, voudrais-tu nous donner peut-être un exemple de projet que vous avez pu accompagner dans les dernières semaines ou mois pour nous donner un exemple concret? Oui, par exemple, celui dont je parle, là, qui sont ces fameux logements sociaux dans le 14e arrondissement, il n'est pas terminé, ce projet-là. On est encore en cours, mais en fait, on a vraiment déroulé un peu un processus avec les futurs habitants. Pour rejoindre un peu la question de tout à l'heure, on a travaillé, là c'est des logements, ça va être à peu près plus de 200 logements dans ce lot-là, donc c'est beaucoup. Et on s'est dit, comment on va faire? On va pas travailler avec 200 foyers, c'est quand même, ça fait beaucoup. Donc en fait, on travaille avec 40 représentants des futurs locataires. Et c'est là où intervient aussi l'expertise d'usage, c'est de dire, vous allez représenter les foyers qui vont habiter plus tard. Donc du coup, il y a vraiment une notion que ces foyers-là ont de responsabilité. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ne parlent pas seulement pour eux, mais ils vont parler pour la communauté. Ça, c'est super important parce qu'en fait, ça responsabilise directement, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que les autres personnes vont arriver, les autres foyers vont emménager, en fait, on aura ce petit groupe-là qui est déjà rompu à l'exercice de la participation citoyenne. Et donc, avec eux, on a fait tout un travail avec les architectes. Les architectes étaient
super intéressés par ce travail-là. Et donc, ils avaient laissé des plans qui pouvaient être modifiables. Ils avaient laissé des grands espaces qui n'étaient pas fléchés en termes d'usage. Et donc, on a travaillé avec les panels de 40 habitants sur qu'est-ce qu'on va y faire, comment on modifie les plans, comment est-ce qu'on adapte ce projet pour qu'il corresponde vraiment aux futurs usages qu'ils veulent y faire. Et dans un deuxième temps, ce qu'on va faire avec eux, c'est travailler sur la gestion, justement. Se dire, on va faire une gestion un peu différente, c'est-à-dire qu'on va un peu prôner l'autogestion. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à ce que ce ne soit pas seulement le bailleur social qui va gérer un peu tout ce qui se passe dans l'immeuble, mais que, par exemple, les espaces communs qui sont très généreux soient autogérés par les personnes. Donc, s'il y a une buanderie commune, comment est-ce qu'on fait pour que chacun soit responsabilisé et puis vienne payer son linge, par exemple? Ou si on a un atelier de bricolage, comment on fait pour récupérer les clés? Qui paye les charges? Des choses comme ça. Et après, on va accompagner aussi le projet. Ça, c'est aussi super intéressant. Après la livraison, donc après l'emménagement, on reste un peu et on regarde si ça fonctionne. Et les choses qui ne fonctionnent pas, on les ajuste un peu pour qu'après, il y ait vraiment une autonomie totale du groupe. Voilà. Super intéressant. Je vois qu'il nous reste une dizaine de minutes à notre discussion. C'est tellement intéressant. On est déjà à la fin, avant d'entamer les questions du public. Je laisserai Maxime et Katerina parler un peu là, de leur projet un peu plus. Peut-être Maxime répondre à la question de la politisation de la participation citoyenne pour la laiterie de l'Outaouais dont vous avez fait partie. Bien, il y a plusieurs choses que j'essaie de réduire avec le temps qui nous reste, mais ça a été, je ne sais pas si politisation c'est le mot, mais je vais parler de quelques leçons qu'on a apprises qui ont en fait politisé les gens, qui leur ont permis de participer. Tu sais, une des plus grandes leçons là, pour que les citoyens aient le goût de participer, ça a l'air d'un cliché, d'une évidence, là, mais c'est de clarifier le sens. Pourquoi on fait ça? Et nous, il y avait trois arguments. Il y avait, on sauve des emplois qui s'en iraient dehors de notre région. On protège l'environnement. Il y a des gens qui se foutent des emplois, mais qui trouvent ça important, l'environnement. L'environnement, comme je disais tantôt, c'est des camions. Il y a des milliers de kilométrages de camionnage qu'on ne fait pas. Et il y en a qui ne se préoccupent pas du tout de ces deux aspects-là, mais qui sont... c'est un enjeu de fierté. On avait perdu plusieurs institutions de notre région, puis là, on allait en perdre un autre. Les gens ont dit « c'est assez ». La laiterie ne les intéressait pas nécessairement, mais leur région, il y avait de la fierté là-dedans, de l'identité. Fait que préciser le sens, ça fait que les citoyens s'associent à quelque chose dont ils comprennent les tenants et aboutissants, l'enjeu. Ça, pour moi, c'était vraiment important. Puis là-dessus, on était particulièrement bons. Dès le départ, on disait aux citoyens, voici les trois raisons pour lesquelles on doit se mobiliser pour la laiterie. On leur a aussi donné des moyens d'agir, parce que le citoyen, il est là, puis il dit, je veux contribuer, mais... Et une des choses qu'on a fait, c'est une pétition de consommateurs. C'est-à-dire que ce n'était pas juste de dire « signez votre nom, vous aimez la laiterie », n'importe qui est capable de faire ça, mais on a dit « dites-nous combien de litres de lait de l'Outaouais vous allez consommer par famille par semaine ». Fait que les gens s'assoient ensemble en famille puis ils disent aux enfants « on boit combien de litres de lait ?» OK, nous, on s'engage à boire... 10 litres de lait par semaine quand on va avoir une laiterie dans notre région, quand on va sauver notre laiterie. Ce qui a fait que nous, rapidement, on était capable de dire aux épiciers, nous, là, on a le nom et l'adresse de gens qui vont consommer collectivement 3 millions de litres de lait. puis on est capable de leur écrire. Donc, ça nous a donné une force importante. Puis notre site Internet a été complètement... noyé de gens qui allaient voir, on était rendu à combien de millions de litres parce que tout le monde voyait, en fait, c'était des petites bouteilles de lait qu'on remplissait. Là, ils voyaient les bouteilles de lait se remplir au fur et à mesure que les gens prenaient des engagements. Ça fait qu'ils se sont comme approprié cette cause-là. Ils appelaient les voisins en disant allez vous inscrire. Donc, leur donner une capacité d'action. Puis je finis avec une autre anecdote. C'est que ça, ce que ça a fait, c'est que, en fait, je recule un peu. Au Québec, il y a trois grands groupes qui donnent accès à des épiceries. Si on a un produit là, pour avoir accès à l'épicerie, il y a trois grands groupes. Si on n'a pas l'accord de ces groupes-là, on ne rentre pas ces tablettes. C'est aussi simple que ça. Les épiciers locaux ont une petite marge de manœuvre, mais assez petite. Moi, je me retrouve devant un de ces grands groupes-là en disant « on veut avoir accès aux tablettes ». Là, je commence à faire mon discours en disant « les citoyens, ils m'arrêtent et disent « je vous arrête complètement, là ».
dit les petites laiteries, on déteste ça, ça coûte plus cher, c'est compliqué, c'est quelque chose qu'on ne veut pas, on veut faire affaire avec les grands, grands groupes. Par contre, on a bien vu votre revue de presse, on voit ce que les citoyens veulent, ça fait que vous allez rentrer dans nos épiceries, mais c'est rien parce que vos citoyens le veulent. C'était aussi cru que ça, là. Mais vraiment, là, on va juste se parler de prix, parce que le reste, la bataille, genre, vous l'avez gagnée grâce à vos citoyens. Et ça, c'est dans le domaine de l'économie, là. C'est donner une âme à l'économie, c'est les citoyens qui ne sont pas juste des clients, qui sont des gens qui disent « Non, non, moi, je construis ma région en faisant mon achat. » Ça fait que ça, c'était aussi une grande leçon, là. Même contre des très grands groupes, ça marche, la mobilisation citoyenne. En tout cas, ça peut marcher. C'est pas toujours une évidence, mais ça peut fonctionner. Puis ça, moi, je n'oublierai jamais ça. Tout le monde nous disait au début, là, même un député qui avait dit, c'est le marché, là, ça ne marchera jamais votre affaire. Là. Les laiteries, là, ça faisait 60 ans qu'on n'avait pas fait une nouvelle. On enfermait les laiteries. Bien, nous, on a réouvert une dans un contexte où c'est la mobilisation citoyenne qui nous a permis de gagner. Ça fait que c'est ça, donner le sens puis donner aux citoyens une capacité d'action. Puis après, les féliciter, tu sais, moi, je l'ai répété partout. Sans les citoyens, là, jamais on n'aurait eu de laiterie. Ça fait que ça, c'est des papas, des mamans avec les enfants dans la famille qui disent « Hey, on a gagné notre bataille. » Ça fait que peut-être que ces petits-là vont avoir le goût de se mobiliser dans l'avenir. Ils vont réaliser qu'ils ont une capacité d'action. T'sais. Oui, ils ont réussi une fois quand ils étaient petits. C'est super. On me note dans mon oreillette de la part de Mathieu qu'une épicerie, c'est plus un dépanneur en France. Donc, on pourrait penser plus à un supermarché qui serait un peu l'équivalent. C'est juste une petite précision comme ça. Merci, Maxime. C'est super intéressant de vous entendre à chaque fois. Katharina, j'aimerais ça qu'on embarque un peu sur votre projet, sur ton projet. Je ne sais plus si je vous tutoie ou si je vous vois tout le monde. Merci de votre gentillesse dans tous les cas. Donc, Katharina, j'aimerais développer un petit peu sur l'aspect du budget participatif. Comment est-ce que ça l'a eu? C'est quoi ce que ça a eu comme impact sur ton organisation puis l'apport de la collectivité depuis pour ton projet? Est-ce qu'il y a eu l'engouement plus que d'habitude pour ton projet? Comment est-ce que ça se passe? Bien, c'est vrai que déjà le premier projet, les deux premiers projets ont vu le jour vraiment grâce à la participation citoyenne. J'ai déposé un projet, mais c'était ensuite en parlant autour de moi. J'étais très motivée sur le premier projet, donc. Je suis partie aux différents stands, c'était les journées un peu de budget participatif. Tout à l'heure, tu disais que c'était important de pouvoir être accessible à une pluralité de publics. Donc, pour les personnes qui n'ont pas eu l'information qu'il y a des budgets participatifs qui existent ou qui n'ont pas accès à, ou qui ne savent pas comment voter en ligne, eh bien, il y avait aussi cet accès d'avoir une urne physique où tu pouvais venir, tu pouvais en savoir plus sur les projets et donc déposer comme une urne à voter, vraiment ton choix de vote. Et déjà, tout ce processus-là a été très enrichissant parce que ça m'a permis aussi, au-delà du fait que voilà, on a été deuxième en nombre de votes, ça a été le deuxième projet le plus plébiscité dans l'arrondissement, mais c'était aussi un moment merveilleux de pouvoir échanger avec tous les citoyens et de voir ce qu'ils trouvaient intéressant dans le projet. Il y en avait certains, en effet, c'est ce que disait Maxime tout à l'heure, il y a différentes raisons pour chaque projet. Il y en avait certains pour qui c'était vraiment avoir voilà, un espace de verdure, pouvoir... d'autres, c'était vraiment l'observation des animaux. Il y en avait d'autres qui étaient plus intéressés sur le volet épuration de l'eau. Parce qu'en effet, je ne l'ai pas peut-être précisé tout à l'heure, mais en fait, le projet du budget participatif, c'était un radeau végétalisé, donc il y a une sorte de jardin flottant sur l'eau et qui sert de refuge pour la faune et la flore. Et donc ça, c'est le projet. Et ça a créé un espace de verdure dans des villes comme Paris où
Les canaux sont complètement bitumisés et très artificiels. Et donc, apporter un peu d'espace de respiration, c'est, voilà, ça fait du bien aux citoyens et puis aussi pour la faune et la flore. Mais donc, ce qui fait que tout ce processus-là a été très bénéfique, je pense, tant pour moi et pour les citoyens, le fait qu'il y ait aussi cet élément d'échange. Donc, clairement, ça a contribué à pouvoir, en fait, faire émerger les premiers projets. Et même au-delà de ces projets-là, je sais qu'il y a parfois des gens qui m'ont contacté à travers le site Internet ou sur les réseaux sociaux ou même parfois dans la rue et qui me disent « Ah, moi, je passe devant le radeau tous les matins pour aller travailler en vélo et je vois des espèces d'oiseaux qui m'envoient des images. » Et donc, d'ailleurs, que j'ai ensuite repartagé à tous les citoyens qui suivent le projet. Donc, ce qui fait que, même après l'installation, en fait, il y a eu un lien et un échange qui, franchement, n'aurait pas été possible, en fait, si je l'avais déposé de façon plus classique. Donc, c'est-à-dire en répondant à un appel à projet ou en passant par la mairie. Là, il y a eu un sort de maillage qui s'est fait, donc ça a été assez chouette. Et ce maillage, eh bien, je continue à l'entretenir de différentes façons parce que c'est la démarche aussi forte au sein de NatureNA, c'est se dire pour chaque projet, on a un programme pédagogique qui est associé. Là, typiquement, on fait des ateliers avec aussi... à la fois les citoyens, mais aussi dans les écoles, dans Paris, des collèges, des tout-petits, où on va parler de ces éléments de biodiversité, faire des ateliers ensemble. Donc, c'est une façon de s'approprier un lieu et un projet et puis de parler plus largement des problématiques auxquelles on fait face dans la ville. Mm-hmm. C'est vraiment intéressant. Le budget participatif, c'est pas implanté partout. Mais l'exemple que tu donne l'impression que les gens sont un peu plus connectés peut-être au projet puis à ce qui est mis en place. Est-ce que tu as l'impression que tu as peut-être un sentiment plus de redevabilité envers la communauté pour cette raison-là? En tout cas, je dirais que c'est vraiment un sentiment encore plus fort d'attachement et de lien à la fois avec la ville et le lieu où j'habite et aussi avec et aussi sentir que on peut être tous connectés de façon beaucoup plus forte que on pourrait l'être parce que dans une ville comme Paris ou qui est une grosse ville, c'est vrai que ça peut être souvent une ville un peu plus anonyme. Et là, en fait, au final, on se rend compte qu'il y a vraiment une envie de la part de tout le monde de finalement pouvoir échanger et que finalement, tout ça, ce sont simplement des prétextes pour pouvoir se réunir et partager ensemble. Donc, je trouve ça assez beau. Mm-hmm. Puis de bâtir des communautés au sein d'une même communauté. C'est ça. Mm-hmm. Est-ce que Maxime, je ne sais pas si à Gatineau vous aviez mis en place des budgets participatifs, est-ce que tu connais un petit peu le concept? Oui, je connais le concept. On ne l'a pas fait pour toutes sortes de raisons. On n'était comme pas rendu là. Il y a des gens dans mon propre parti qui y pensent maintenant, qui voudraient qu'on le fasse dans les années à venir. La chose dont on s'inspire beaucoup en Europe et qui fait partie de notre nouvelle politique d'économie sociale, c'est ce que vous appelez, ou en tout cas ce qu'ils appellent dans certains pays, des communs. C'est la gestion d'un bien public par un tiers. Je sais qu'en Italie, c'est à Bologne, ils ont comme 12 employés à temps plein qui font que ça. Puis ça rejoint un peu ce qu'on dit, c'est que quand les citoyens se mobilisent, par exemple, ça ne s'appelle pas encore commun, mais c'est un peu ça. Là, on a des mobilisations, des citoyens qui se sont mobilisés pour gérer un centre nautique, un parc, donc donner accès à la rivière. La ville ne le faisait pas. Ils ont dit, nous, on va le faire. Bien, dans notre nouvelle politique, on s'assure que les fonctionnaires deviennent des partenaires des citoyens qui ont des projets comme ça. Parce que souvent, ils sont bien malgré eux, mais des adversaires. C'est-à-dire que le fonctionnaire gère un cadre légal, puis à peu près tout ce qui est original puis innovateur correspond pas au cadre, rentre pas dans le cadre. Donc, les citoyens se font dire non. Avec notre politique, ce qu'on dit, non, c'est qu'on va les accompagner pour transformer le cadre pour que le projet soit possible.
Des fois, on va même les financer pour gérer des choses qu'on aurait pu gérer nous-mêmes, comme le centre nautique où il y a même une forêt, qui est la forêt Boucher, qui est gérée par des citoyens, un conseil d'administration, une OBNL, mais financée par la ville. Fait qu'on aurait pu le faire, on ne le faisait pas. Eux, ils font mieux que nous. Fait que ça, on s'est beaucoup inspiré de ce qui se fait en Europe. Mais le budget participatif, c'est la prochaine étape. Mais je dois dire que les villes au Québec partent souvent de loin parce que même les élus ont très peu de contributions à faire dans l'élaboration du budget. C'est des processus qui sont menés par les fonctions publiques. Donc, juste que les élus se réapproprient un certain contrôle sur le budget, c'est une première étape que nous, on a franchie à Gatineau, mais disons qu'il en reste beaucoup d'autres avant qu'on arrive à des budgets participatifs comme ça, auxquels moi, je crois beaucoup. Là. C'est juste qu'il faut y arriver dans le temps comme dans le temps. Mm-hmm. Une des choses que tu viens d'aborder qui est super intéressante, c'est que là, on parlait de participation citoyenne, on a donné l'exemple des budgets participatifs. On a parlé de l'exemple de Victorine, de différents types de consultations là, qu'on peut faire pour intégrer les gens dans l'élaboration de l'habitation et tout ça. Mais là, on vient d'aborder aussi l'économie sociale solidaire. C'est différentes manières de faire en sorte que quand on s'organise, bien, on repose sur la collectivité, sur des groupes d'individus qui vont prendre des décisions et qui peut-être eux et elles vont faire aussi d'autres consultations pour être sûr que ce qu'on apporte comme innovation, comme changement ou comme service, bien, que ça repose sur les réalités puis sur les expériences qui sont vécues par les individus. Fait, une des manières de faire démocratie, c'est aussi à travers l'économie, donc la absolument. Politique. Mm-hmm. Dans la laiterie, là, une des raisons du succès, c'est qu'on a innové en faisant ce qu'on a appelé une coopérative de consommateurs. C'est un OBNL, une coop, là, qui a comme mission d'appuyer la laiterie. Mais ce qu'on a fait, c'est que les citoyens pouvaient envoyer chacun 200 $ pour devenir membre de la coopérative, ce qui a fait qu'on avait, je crois, 250 000 $ qu'on a pu investir en équité. Là, 250 000 $ comptant, ça veut dire qu'on emprunte moins. Donc, la coopérative des consommateurs est devenue un actionnaire de la laiterie. Fait que les citoyens eux-mêmes n'étaient pas actionnaires, mais la coop était un actionnaire puis s'assurait que la laiterie n'était pas juste une patente qui vend du lait, mais c'était un outil de développement régional. Donc, les futurs profits, tout ça, soit réinvesti dans la communauté. Fait que c'est comme si, avec les citoyens, à travers la coop des consommateurs, on avait comme donné une arme à une organisation capitaliste traditionnelle qui fait un produit. Alors qu'en ayant les consommateurs au conseil d'administration, qui avait, si je ne m'abuse, 12,5 %, je crois, des actions, et ils ne contrôlent pas. Mais on ne veut pas que les consommateurs soient choqués. Là. On ne veut pas que notre actionnaire, qui est le citoyen, soit en colère. Donc, ça force toute l'organisation à avoir une vision plus intéressante de sa propre mission. Pour moi, la participation citoyenne en économie, c'est ça, c'est de l'économie sociale. C'est de l'économie avec une âme parce qu'on y a fait entrer de différentes façons des citoyens. Puis ça change beaucoup de choses parce que les profits sont locaux, l'engagement est local. Tu sais, c'est pas des profits qui s'en vont en Californie. Là. C'est vraiment une organisation qui est ancrée dans son milieu. Quand la pandémie a frappé et que des entreprises étaient menacées, nous autres, on savait qu'on ne manquerait jamais de lait. Parce qu'on avait une laiterie chez nous qu'on avait sauvegardée puis qu'il y aurait une priorité locale. Mais ça vaut de l'or, ça. Mm-hmm. Ça contribue à justement l'autonomie d'un territoire, d'une municipalité, d'une communauté. Victorine, je voyais que tu prenais des notes. Est-ce que vite fait, tu voudrais ajouter quelque chose sur ça? Ben, c'est pas forcément lié directement, mais c'est, enfin, en tout cas, super intéressant aussi cet aspect économique. Je pense que ça amène aussi à penser, là j'ai beaucoup parlé de logement dans nos expériences, mais en fait on a aussi pas mal de projets un peu mixtes, en fait, avec du logement, mais aussi avec des commerces, des espaces d'activité, des bureaux, et qui se réunissent un peu tous dans un même lieu. Et en fait,
pour moi, pour la, enfin, dans la continuité un peu de ce qu'on dit, je pense que la co-construction entre tous ces acteurs-là autour d'un même lieu, par exemple, ça crée aussi communauté. Et donc, ça permet aussi de décloisonner un peu juste bah, les habitants, les commerçants, les personnes qui travaillent dans les bureaux et de... Bah, en fait, les ramener autour d'un lieu qui serait commun. Donc, en fait, c'est un peu comme la laiterie dont parlait Maxime, mais qui, enfin, comme vous disiez, Maxime, la laiterie est aussi un prétexte, quoi. Comme nous, notre, enfin, voilà, notre lieu et notre projet architectural est un prétexte pour créer une communauté d'habitants, une communauté de voisins qui va après animer la ville et puis prendre des décisions et petit à petit avoir un pouvoir. Grandissant en fait dans les décisions liées à leur environnement. C'est super intéressant. Merci Victorine, puis merci d'avoir précisé aussi qu'effectivement, ce n'était pas juste au niveau du logement ce que vous faites chez Courtoisie Urbaine. Je ne sais pas si mes collègues sont en train de mettre les liens des sites Internet pour voir vos projets respectifs, mais si ce n'est pas fait, je recommande que ce soit fait pour que ce soit plus facile aux participants de retrouver chacun vos projets respectifs. On a peu de questions du public, donc j'entrerai sur une conclusion, une dernière question pour chacun d'entre vous. Est-ce que, tu sais, je vois bien que c'est super important pour vous la participation citoyenne. J'aimerais savoir quels seraient vos conseils pour les porteurs et porteuses de projets ou même pour les municipalités qui sont à l'écoute. Puis si vous avez quelque chose à ajouter sur vos projets, là, lancez-vous. Je donnerai la parole à Mathieu pour débuter. Alors, en termes de conseils ou d'apprentissage que nous on fait jusqu'à présent, là, comme une organisation régionale, là, je pense que la posture qui est la plus adéquate, c'est de s'inscrire dans les priorités locales. On veut générer de la participation citoyenne dans des communautés ou dans des milieux urbains, mais ça s'inscrit donc dans une dynamique locale qui a déjà des réalités, qui a déjà des priorités. Donc, je pense que la base, c'est vraiment de générer ou de s'appuyer sur cette énergie locale qui est déjà présente. Puis c'est pas arrivé trop top-down, hein, comme on le voit souvent pour des organisations qui sont au-delà du palier local. Donc voilà un peu le conseil numéro un que je donnerais, là, de s'inscrire dans ce qui fait sens pour le milieu, quoi. Tout à fait. Katharina? Un conseil, je dirais que, alors de nouveau, je me repose sur ce qui a été proposé, par exemple, dans la ville de Paris, c'est vraiment de l'orienter en fonction, il y a des moyens de pouvoir orienter d'une façon ou d'une autre le dépôt de projet. Donc initialement, à Paris, les budgets participatifs, ils étaient vraiment sur... améliorer la ville voilà, sur différentes thématiques. Et sur ces dernières années, ils ont aussi rajouté une autre dimension qui était de se dire eh bien, les quartiers qui sont des quartiers indiqués comme prioritaires auraient plus de poids ou en tout cas plus de budget pour pouvoir être développés. Donc ça, je trouvais ça intéressant, c'était de pouvoir orienter les idées à ce qu'elles soient déposées problématique, on ne voit peut-être pas tous les sites, mais pour les amener à déposer des idées. Donc ça serait plutôt côté ville et côté porteur de projet, c'est essayer de préciser son idée la plus possible. C'est ce qui permet d'avoir quelque chose le plus concret et le plus abouti. Et donc, permettre à ce que une idée soit retenue. Donc pas simplement se dire que c'est un formulaire, je dépose une idée que j'ai eue au coin de la rue, mais essayer de la travailler, voir s'il y a eu déjà d'autres villes qui l'ont mis en place. Est-ce qu'il y a déjà des solutions techniques? Voilà, essayer de mûrir un peu plus le projet avant de pouvoir le déposer. Et sinon, voilà,
dimension. En fait, c'était pour pouvoir rebondir un peu en mot de fin par rapport à certaines choses qui ont été dites par Victorine et Maxime sur cette dimension à la fois de temps long et liée à l'innovation. C'est quelque chose que je vois aussi dans le domaine, dans mon domaine, notamment de l'écologie. Et je trouve que quand on doit changer au niveau comportement sociétal, mais aussi sur la mise en place de nouvelles solutions, c'est vrai que il faut qu'en effet les municipalités se rendent compte que ce temps-là, ce temps de changement et d'innovation peut être plus long parce qu'il y a beaucoup de barrières à faire dépasser. Il y a aussi pas mal de réajustements qu'on fera dans le temps. Et aussi qu'il y a besoin de temps ou potentiellement de budget pour pouvoir mettre en place des choses. Par exemple, typiquement, tout ce qui est les solutions fondées sur la nature, ce sont des choses que l'on prône au sein de Nature Nas. Donc, c'est des solutions que l'on peut observer au sein de la nature et qu'on préconise en ville. Typiquement, ça va coûter parfois un peu plus cher dans la mise en place, mais ensuite dans le temps, en fait, parce que ça va permettre, ça sera plus modulable, parce que ça va pouvoir être mieux adapté et aussi rendre d'autres services pour la ville, comme l'absorption de chaleur. Ça va répondre à d'autres fonctionnalités. Ça va être plus intéressant qu'une solution d'infrastructure préfabriquée, dure, ce qu'on appelle solutions, on va dire, grises, qui sont peut-être moins chères, qu'on a pu bâtir rapidement, mais qui finalement, dans 10, 15 ou 30 ans, quand on va ressentir de plus en plus les effets du changement climatique, sont moins adaptés. Donc, il faudra peut-être dans 15 ans changer de solution en permanence. Donc voilà, ça, c'était un peu un mot d'ouverture. Mm-hmm. Que la participation citoyenne rime aussi avec flexibilité, puis de voir avec ce qu'on propose, puis l'innovation, ce qui change aussi. Là. Tout à fait. Merci, Katharina. Super intéressant. J'aimerais ça aller voir les radeaux, là, si ou quand je viendrai à Paris. Maxime? Ben, moi, je m'adresserais aux villes, puis je dirais qu'il y a deux principes qui doivent reconnaître, en fait, aux organisations quasiment, pas juste les villes, mais un, c'est que la ville n'appartient pas ni aux fonctionnaires, ni aux élus, elle appartient aux gens qui l'habitent. Elle appartient à la communauté. Puis ça, c'est la première chose à reconnaître. Donc, quand on fait un geste, quel qu'il soit, ben, on tient compte de ça. Donc, on parle au monde, ce que les organisations ne font pas toujours. Puis l'autre principe, c'est faites confiance aux gens. Souvent, on ne consultera pas parce qu'on ne veut pas générer des attentes qu'on ne sera pas capable de combler. On ne consultera pas parce que nous, on sait ça, ce qui est bon pour notre monde, puis eux autres, on a l'expertise, eux ne l'ont pas. Mais les gens, ils comprennent. Les gens, ils comprennent qu'on fait de la politique, on ne fait pas de la magie. Ils comprennent qu'on est dans un état de droit, donc des choses qui sont permises, d'autres qui ne le sont pas. Ils comprennent que l'argent ne pousse pas dans les arbres. Il suffit de leur expliquer, par contre. Les gens vont comprendre si on leur parle. Fait reconnaître que la communauté appartient à la communauté, puis l'organisation qu'on dirige appartient aussi à la communauté, surtout quand c'est une ville, là, on existe pour eux. Puis faire confiance aux gens, ça marche toujours. Nous, on a géré des crises à Gatineau. En 2017, on a eu des inondations où il y a eu 4000 sinistrés. En 2018, il y a eu une tornade avec 2400 logements démolis ou affectés. On a eu d'autres inondations l'année d'après. Chaque fois pendant la crise où on a fait appel aux gens, là, ils ont toujours répondu. Même quand on leur disait « faites pas telle chose » ou « faites telle », ils comprenaient quand on leur expliquait. Les citoyens n'ont jamais été aussi informés, aussi instruits. Ils sont prêts à contribuer, ils comprennent, ils aiment leur ville, ils aiment leur communauté. Ça fait juste leur faire confiance, là, c'est souvent ce que les organisations ne font pas. Pour moi, c'est un pas de géant parce que on s'ouvre vers eux à partir du moment où on dit ben, « on va leur faire confiance ». Puis ça marche tout le temps, c'est très, très rare. Puis souvent, ils s'autogèrent entre eux. Le citoyen qui n'a pas de bon sens, là, c'est les autres qui vont lui dire « écoute, t'exagères, ils ne sont pas capables de faire ça. Là, tu demandes le beurre, l'argent du beurre, puis le ministère de l'Agriculture, là, ça ne marche pas. Là, il y a des limites à ce qu'ils peuvent faire. » Fait que faire confiance aux gens, pour moi, c'est le premier principe. Super intéressant. Puis on peut aussi lire
d'autres de tes recommandations dans le livre que tu as écrit? Oui, passer de la ville à la cité, la participation citoyenne, l'exemple de Gatineau, là, c'est un livre qui est aussi numérique, là, donc vous pouvez l'acheter à une très grande distance. On espère qu'il y a bien des gens qui prennent des notes, hein, sur les recommandations qu'on fait. J'inviterai Victorine à faire le mot de la fin. Merci Alexia. Ouais, moi, j'ai pris en note en tout cas le livre Maxime, c'est sûr, je vais le lire. Et ce que tu viens de dire là sur les gens vont comprendre, faire confiance aux gens, mais évidemment, hein, enfin, je veux dire, nous, on le voit tout le temps dans nos projets. Quand il y a un problème d'argent, par exemple, bah, les gens ont les pieds sur terre, quoi, hein. Si cette solution n'est pas possible parce qu'il n'y a pas assez d'argent, c'est leur argent. Ils comprennent très bien que ça fait partie des économies qu'il faut faire. Donc, ouais, la notion de confiance dans les gens, elle est primordiale. Et un autre conseil que j'ajouterais peut-être pour les décideurs, que ce soit les villes, le public, mais même les promoteurs ou les bailleurs sociaux, en tout cas ceux qui ont en main les projets, c'est de ne pas subir la participation citoyenne. C'est pas une contrainte, en fait, c'est pas juste une réglementation qui s'ajoute à toutes les autres réglementations, c'est une chance. C'est ce qu'on dit là tous autant qu'on est depuis le début, c'est ça permet de faire des projets plus qualitatifs qui vont durer dans le temps, qui vont être gérés, et en plus ça permet de créer et de faire vivre des communautés. Donc c'est tout bénef, quoi, je dirais. Donc c'est ça, pas une contrainte mais une chance pour la ville et pour la vie publique. C'est tellement intéressant de vous entendre, vraiment passionnant. Je vous remercie tous les quatre, tous les cinq. Étienne, je ne sais pas si tu es encore là, mais merci beaucoup à Maxime Penaud-Jobin d'avoir été parmi nous, Catherine Beer, Victorine Kreis et Mathieu Vallet, ainsi qu'à Étienne Volant d'avoir été parmi nous puis d'avoir ouvert nos horizons sur la participation citoyenne. Je pense que c'est super inspirant ce qu'on a dit. Il faut avoir en tête aussi que certains obstacles, mais qu'en bout de compte, ça nous permet d'avoir des sociétés plus bienveillantes qui sont construites autour du vivre ensemble. Donc, je vous remercie pour votre présence. Je vous rappelle que c'était le 5e panel de 6 du Festival virtuel franco-québécois sur les initiatives à impact organisé par Espace Initiative, organisme pour lequel je travaille, en collaboration avec les Canaux Organismes de Paris en France. Donc, on vous remercie du fond du cœur d'avoir été parmi nous. Puis demain, cerise sur le Sunday, dernière conférence qui va porter sur entreprendre différemment. On va parler, on va mettre en lumière plutôt des portraits inspirants et j'ai vraiment hâte d'entendre nos derniers panélistes qui vont nous inspirer à faire les choses différemment puis nous dire qu'on peut passer soit du militantisme à l'entrepreneuriat ou de mettre en place ou de porter des projets qui font du sens pour nous. Donc, je vous remercie tous et toutes d'avoir été présents. Merci aux panélistes. Puis, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée puis de nous écrire si vous avez des idées de projet ou envie de discuter avec nous. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir.